Et je te dis merci pour tout ce que tu vas faire. Louange et gloire à toi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons aussi acclamer notre Dieu. Alléluia. Je vous rappelle que ma prédication ce soir, c'est Jésus est vivant. Il est vraiment vivant, t'es ton voisin, il est vraiment vivant. Alléluia, nous sommes à la fin de ce guérisme 2019 et nous voulons expérimenter la miséricorde. La miséricorde de Dieu dans toute sa puissance. Et nous allons voir le texte, c'est très simple. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya de ses disciples pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Je suis entré déjà à Jérusalem dans la tente de Jésus. Alors que quelqu'un me pose une question, est-ce que Jésus était dans cet homme? Non, il est écrit cette parole de l'ange. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Jésus est ressuscité. Voici la bonne nouvelle, frères et sœurs. Voici la bonne nouvelle qui fait courir l'Église depuis plus de 2000 ans. Et avec ce message, Jésus est vivant. Voilà. Jésus est vivant. Un seul message. Il est vivant. Et Paul, comme Pierre, c'est une Pierre, le jour de la Pentecôte, va dire, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité et il a fait de lui Christ et Seigneur. Alors l'humanité se pose la question, mais vous dites qu'il est vivant. Vous dites qu'il est vivant, mais pourquoi le monde ne change pas? Vous dites qu'il est vivant, mais nous avons lu l'Écriture. Mais ce qu'il a fait autrefois, mais pourquoi il ne le fait plus? Je peux vous dire ce soir, cet après-midi, que ce qu'il a fait autrefois, il le fait encore. Et il va le faire ce soir même. Amen. Il est vivant, frère et soeur. Il est tellement vivant qu'il a dit à ses disciples avant sa crucifixion que vous ferez ce que je fais, mais vous ferez des choses plus grandes. Il y a quatre preuves de la résurrection de Jésus. Quatre preuves de la résurrection de Jésus. Dans l'Écriture, la Bible nous montre d'abord la première preuve, c'est que le tombeau est vide. Alors certains ont monté une histoire en disant « Oh, ses disciples ont pris son corps et pour aller cacher, on dit qu'il est vivant. » Ok? La deuxième preuve de la résurrection de Jésus, il est apparu aux disciples. Bon, on peut dire « Écoutez, bon, mais c'est certain, mais est-ce que c'est certain qu'il est encore vivant ?» Ok? Très bien. Troisième preuve de la résurrection de Jésus, c'est quoi la troisième preuve? Et c'est une preuve tangible. Mais on ne peut que comprendre que par le mystère, c'est l'Eucharistie. Oui. L'Eucharistie acquis aux disciples de Emmaüs. Ça, c'est la troisième preuve. Alors, bon, dans l'Eucharistie, certains regardent Jésus Eucharistique. Je t'ai. En milieu musulman, dans le nord de la Côte d'Ivoire, et dans une paroisse, dans une ville appelée Tabakala,
J'ai dit au Père, mon Père, il faut l'exposition du Saint-Sacrement, parce qu'il y avait une réconciliation sur plusieurs jours. Hein. Ce que je vous dis, c'est dans les années 96-97. Il dit, mais c'est vrai, continue à prier, frère Clément, mais parce que là, ce sont les musulmans. Tu vois que l'Église a rempli par le 2/5, donc 3/5 par les musulmans. Parce que eux, ils sont plus contraints. Hein. Vous voyez, ils savent que Jésus est en train de délivrer, de guérir, alors ils sont venus. Alors il m'a dit quelque chose, il m'a dit, mais frère Clément, ces musulmans et l'Eucharistie va paraître pour eux comme du mec là. J'ai dit, mon père, c'est vrai ce que vous dites, il faut toute une catéchèse, hein, et pour comprendre le mystère, parce que l'Eucharistie, ce n'est pas le Père changé en corps de Jésus, c'est pas un miracle, c'est un mystère. Le mystère de foi, cela veut dire qu'il faut la grâce vraiment du Saint-Esprit pour saisir. Mais mon Père, celui que nous allons présenter aux gens, c'est Jésus. Et c'est Jésus, frère et soeur. Je peux vous dire que dans les évangélisations, j'ai vu au cours de la possession du Saint-Sacrement, dans les villages en Afrique, partout, que ce soit au Bénin, au Togo et au Burkina Faso, des gens qui avaient des fétiches sortirent leurs fétiches et se donnaient à Jésus. C'est une preuve. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous proclamons que Jésus a été crucifié, il est mort et il est ressuscité. Amen. Toutes les messes. Ah oui, vous comprenez pourquoi la procession du Saint-Sacrement, ou quand il y a l'adoration, on met tout en blanc parce que c'est la résurrection. Mais vraiment, il faut une grâce. Il faut une grâce extraordinaire pour découvrir Jésus dans l'Eucharistie. Pour ceux qui étaient avec nous au Sénat des Nations à Paris, ça a été béni parce que je n'ai jamais vu ça en plus de 30 ans d'évangélisation. Qui était? Voilà. Et la procession, les gens acclamaient. J'ai vu les intercesseurs sortir. Parce qu'habituellement, on acclame quand on voyait des grands miracles. Mais Jésus était là. Et les gens n'avaient pas que les prédicateurs ou les animateurs ont dit acclamons. Non. Spontanément, ils ont commencé à acclamer. Jésus se présente. Donc c'est une preuve de résurrection. Mais pour ça, il faut entrer dans l'église, il faut essayer de venir adorer devant le tabernacle, etc. Maintenant, je vous parle de la preuve universelle. Et cette preuve, et je vais m'attarder sur cette preuve universelle. La preuve universelle, c'est quoi? C'est quoi la preuve universelle? Puisque c'est un cheminement qu'on a fait quand même, on l'a dit là. C'est les miracles et les prodiges. Ah oui. Et c'est très important. Les disciples n'avaient pas. C'est vrai qu'ils avaient vu Jésus. Ils ont vu le tombeau vide. Il est apparu. Et voilà, alors qu'ils étaient là, il est apparu. Vous savez, les plus grands enseignements de Jésus, c'est toujours quand il prend le repas. C'est toujours là. Et il apparaît, et les gens, et les disciples ont peur, et Jésus mange avec eux. Alors, ils reconnaissent Jésus, voilà, et ils ont, les disciples de Marie ont expérimenté Jésus, Eucharistie, alléluia, ils ont expérimenté à la fraction du pain, ils l'ont reconnu, c'est extraordinaire, les écailles sont tombées de leurs yeux, et ils ont eu ce qu'on appelle l'intelligence des Écritures, c'est très important pour comprendre toute cette histoire. Mais qu'est-ce que les disciples ont utilisé? La puissance du Saint-Esprit. Je peux vous dire, frère et soeur, que l'évangélisation en Afrique n'est pas aussi facile qu'on le pense. Vous êtes parfois dans des peuples qui font la magie dans la sorcellerie, et qui font la sorcellerie, etc., et qui ont les preuves de la puissance. Dire à ces gens-là, jette tes fétiches, viens, Jésus va te sauver, Jésus va te protéger, il faut qu'il voie.
ils sont des disciples de saint Thomas. Il faut qu'ils voient avant de croire. Et c'est exactement la première annonce. Les gens étaient là. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils ont demandé à Jésus dans... Ils ont demandé à Jésus dans Actes chapitre 4, à partir du verset 15, 16, 21. Il dit que tiens compte de leur menace. Et tends ta main pour que les miracles et les produits se produisent, pour que nous puissions annoncer l'évangile en toute quiétude, avec assurance. Frères et sœurs, ce soir, nous allons toucher à cette puissance de Jésus. Pas parce que je suis puissant, je dis, je... non, c'est pas ça. Mais je remarque, parce que on était au Cénacle des Nations à Paris, c'est vrai, il y avait du monde, hein. Mais on était dans une très grande église et, bon, les gens, au deuxième niveau de l'église, il n'y avait pas assez de personnes. Mais ce jour-là, le samedi du Cénacle, le samedi avant la Pentecôte, il y a eu un miracle, une femme, Dieu soit toujours la gloire, c'est ici. Je le dis parce que Dieu peut passer aussi par toi, qui avait son pied totalement tordu et s'est redressé et accouru. Vous voyez, le lendemain, quand on est venu, on était étonné. Il y avait du monde, il y avait plus de 2000 personnes, il n'y avait pas de place. C'était compliqué. Mais pourquoi ils sont venus comme cela? À cause du signe universel qui est le signe de la guérison du miracle. C'est très important, frère et sœur. Et la guérison que Jésus donne, c'est une sorte de solidarité. Jésus vient nous dire que je suis avec toi. Ne crains pas, puisque notre thème, c'est ne crains pas. Je suis avec toi. Je ne peux pas t'oublier. Oui, il guérit à plusieurs dimensions de guérison. Voilà. Ok? Mais il répond à notre prière, parce que notre prière va dans son sens et dans sa volonté. Jésus est vivant, frère et sœur. Il est vivant. Et pour ceux qui étaient là le jour, j'aime donner les témoignages récents. Une femme, une dame, que j'avais prié aujourd'hui, hier déjà, qui avait un cancer des os, qui avait que 2 mois pour vivre l'année dernière. Et je me souviens de cette personne. Je pensais même qu'elle avait plus de 90 ans, tellement on sentait la maladie sur son corps et sur une chaise roulante. Je lui ai dit, madame, Dieu vient de vous guérir, mais allez voir le médecin. Je dis ça pourquoi? Parce que Jésus est vivant. Vous voyez, c'est vrai, beaucoup de gens témoignent, mais je leur dis toujours, allez voir le médecin. Je prie pour les gens qui prennent des médicaments à vie. Et la personne sent qu'elle est guérie par son corps. Mais c'est très important. Et alors, on me demande, est-ce que, frère, je dois arrêter de prendre les médicaments? J'ai dit, non, mais c'est pour moi qui ai prescrit les médicaments. Elle dit, va voir le médecin. C'est lui qui a le pouvoir de te dire de l'arrêter. Et je vois des miracles extraordinaires. Et cette dame, effectivement, elle est allée voir son médecin. Toujours en chemin, elle savait qu'elle était guérie, mais puisque je dis, va voir le médecin. Elle va voir le médecin, frère, dit, mais madame, que s'est-il passé? Vous êtes totalement guérie. Alors elle se lève de sa chaise roulante maintenant. Donc elle a témoigné et elle est venue avec sa chaise roulante. Jésus est vivant. Moi, je peux vous le dire que ce qu'il a fait autrefois, il le fait aujourd'hui. Ouais, j'étais au Luxembourg. En 2007, je ne me souviens pas, 2007, il y avait toute une rangée de personnes paralysées. Quand Jésus le purait de nous, il dit, lève-toi. Quand Jésus guérit un paralytique, c'est pour dire à chacun, lève-toi pour le royaume de Dieu. Ceci est important pour le roi, frère et sœur. J'étais en Italie, à Salerno. La fille de la bergère du renouveau charismatique avait, depuis l'âge de 2 ans, a remarqué qu'il y a une déformation au niveau de sa colonne vertébrale. Et donc, comment maintenir cette petite? La médecine ne pouvait plus rien. Alors, on lui donnait un appareil qui bloquait son dos.
forte. Et je me souviens que quand je devais prier pour elle, j'ai dit à moi-même, mais Seigneur, mais si elle se marie, parce qu'il faut qu'elle se marie un jour, si elle enceinte, comment on va faire? Et nous avons par la grâce de prier pour elle. Je vais la voir une année après. La Vierge me dit, la visite a commencé dans notre maison d'abord. Et elle me sort à Paris qui pesait de 5 kilos. Je dis, mais, et ta fille? Bien sûr, à mon italien, elle est bon. Voilà. Et elle dit, elle est guérie, elle a fait ça. Elle dit, dès que vous avez prié pour moi, une semaine après, j'en ai la main. Voici ce que Jésus fait aujourd'hui. Il est vivant, il est vivant, il est ressuscité. Alléluia. J'étais au Togo en août 2018 avec ma secrétaire Sébagat. Il y avait le congrès, le 4e congrès panafricain de renouveau charismatique. Et c'est moi qui devais clôturer par le ministère de malades prier pour les gens. Chalet, c'est pas toujours facile parce que les gens s'attendent à de grandes choses, de grandes choses. En fait. Or, on demande au Seigneur, on plonge dans son esprit. Alors, vous savez, la première parole de connaissance, quand j'ai commencé à guérir, la prière de guérison, c'était une personne qui avait eu une accident assez compliqué. Et comme on dit, son pied, vous savez, je suis embêté, hein, mais son pied ne fonctionnait plus comme on dit. Mais ils ont mis un appareil. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Puisque nous, on prie, hein, depuis les jardins de voyage, donc on n'entre pas dans le détail. Mais je sais que toute sa famille pleurait ce jour-là. Il y avait 30 000 personnes. Et donc elle avait une jambe de prothèse, mais vraiment assez étrange quand même. Costaud comme ça. Et je vois une personne qui lève ça et qui avance. Et tout le monde crie, parce que la police est à Lomé. Lomé, c'est la capitale du Togo. Tout le monde crie, crie, crie. Et la fille est témoignée, elle est guérie totalement. Mais... voici ce que Jésus dit. Alors, Jean va dire à ses disciples, allez demander à Jésus, est-ce qu'il est vraiment le Messie, ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que Jésus va dire? Allez dire à Jean, les amis de foi, les sous-entendre, les lieux parlent, les lépreux sont purifiés, les boiteux marchent et les morts ressuscitent. Vous voyez, l'Église traverse des moments très très difficiles. Très 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 difficiles. Alors, l'Église fait appel, comme toujours, à sa dimension charismatique. Puisque le visage de l'institution qui reste sainte, mais est blessé, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que l'Église doit utiliser? Nous nous retrouvons comme au temps apostolique. Au temps apostolique. Parce que les disciples ont continué à prier au temple. Mais Actes chapitre 3. Pierre et Jean entraient au temple. Et ce jour-là, il y a eu une motion intérieure de cet esprit. Ils ont regardé ce temple qui était là depuis toujours, à la place qu'on appelle la belle porte. Et ils l'ont regardé, ils s'attendaient à recevoir de l'argent ou de l'or. Pierre dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. À partir de cet instant, les discussions sont tues. Vous pouvez parler de laïcité et tout ce que vous voulez, mais quand la puissance de Jésus se manifeste, même les autorités vont vous demander la prière. Oui, j'ai la grâce dans des pays très fermés, où on parle au Luxembourg, où d'autres pays ont dit c'est tout est fermé, la franc-maçonnerie, etc. Je vois les autorités qui me font appel pour prier pour elles. À Dieu soit la gloire. Nicodème était une grande autorité, donc on ne pouvait pas venir
être disciple de Jésus. Pour cela, notamment, Nicodème est allé vers Jésus pour dire « Nul ne peut faire ce que tu fais, c'est un miracle, si Dieu n'est pas nous. » C'est pourquoi je parle de la quatrième preuve de la résurrection que j'appelle la preuve universelle. Universelle. Pour montrer à l'humanité que Jésus est vivant. C'est que ce qu'il a fait autrefois, il le fait aujourd'hui encore. Je vois des peuples accepter Jésus-Christ. Des peuples de tout genre accepter Jésus-Christ de Nazareth par la puissance de Jésus qui se déploie. Et ce soir, nous allons toucher à cette puissance. Est-ce que Dieu veut faire des démonstrations? Non. Le royaume de Dieu. Vous savez, on pose une question. Enfin, la question, ils ont dit à Jésus que c'est par Belzébul que tu produis tous ces miracles, tu chasses les démons. Jésus va leur dire quelque chose. Si c'est par le droit de Dieu, si c'est par le Saint-Esprit que les démons sont chassés, le royaume est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, c'est une réalité spirituelle. Mais c'est une réalité spirituelle, tangible, qui se manifeste par des signes physiques et visibles. Et c'est pourquoi Jésus, dans son ministère, j'ai dit aux gens, mais si vous n'aimez pas les guérisons, ne lisez jamais les évangiles, parce que c'est se remplir que de miracles de Jésus. Pourquoi? Parce que ça répondait à une attente. Ça répondait à une attente. Et dans cette société française, européenne, que je connais très très bien, je peux vous assurer que j'étais quelque part en Italie, dans une des villes les plus intellectuelles. Et je leur ai dit, écoutez, et parce que c'était une ville universitaire, il y avait des grands intellectuels. Je leur ai parlé du Dieu de Descartes, d'Aristote et autres, qui sont simplement les moteurs premiers, etc., ou bien source d'explication de ce qu'on ne comprend pas, donc de Dieu impersonnel. Je leur ai parlé du Dieu personnel, le Dieu qui entre en relation avec l'homme, le Dieu de Jésus-Christ dans la vie. Mais quand il a commencé à avoir des signes de l'amour de Dieu, de la bonté, de sa puissance, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Dans un hôpital, puisque le témoignage m'a été rendu par Sœur Marie-Paul, j'étais à Bruxelles, voilà, le Seigneur a eu sur la gloire, mais dans une parole de connaissance, de temps en temps, le Saint-Esprit, voilà, dans les signes. Une personne qui devait subir une opération en général, et le Seigneur qui dit à la personne, n'aie pas peur que je sois avec toi. Moi, j'ai dit au Seigneur, mais faut guérir la personne. Tout simplement parce que je n'aime pas les opérations. Je n'aime pas l'hôpital. Donc, je n'ai pas la place de la personne. Et la première fois que j'ai fait l'hôpital, c'était à Washington, en mission, en 2014, 28 juin 2014. J'ai fait un accident assez grave en mission à Washington. Mais je suis vivant. Alors, je dis merci à Dieu, je me donne tout le petit témoignage. Le 28 juin 2019, je soutiens ma thèse de doctorat en théologie de la pratique. Donc, ça vient étouffer cette date douloureuse. Ça vient étouffer cette date. Désormais, quand j'ai pensé au 28 juin, j'ai plus pensé à la thèse que à l'accident. Ça, c'est ce que Dieu fait. Il est formidable, Seigneur. Il est formidable. Donc, le Seigneur est capable de faire des miracles aujourd'hui. Alors, je prie pour cette dame, elle part effectivement, et va leur dire, sœur, tu vas donner le témoignage, si tu t'expliques encore, parce que au fur et à mesure, je peux les détails. Elle part à l'hôpital pour son opération d'une question qui concerne les femmes, son appareil génital, et elle va avoir la place au médicus. Et pendant que le médecin finisse l'opération, et pendant qu'ils sont en train d'essayer de retrouver tout ce qu'il faut comme instrument pour le coudre, et l'un d'eux constate qu'il y a une membrane qui est en train
qui n'est pas du tout religieux. Et c'était vraiment la panique, parce que pendant que la membrane est en train de pousser sur les yeux, il se rend compte que c'est l'utérus de la dame qui est en train de le repousser. Et ils ont voulu sortir de la salle d'opération pour aller chercher une caméra. Et il y en a d'autres qui se rappellent que s'il sort, la caméra n'est pas stérilisée et lui encore, il va devoir faire tout ce qu'il faut pour ton corps pour rentrer dans et il va rater. Et la dame, elle est au bout de rien. Et ça se passe sous les yeux du virus de la femme qui est en train d'être reconstruit à nouveau parce que l'ancien a été enlevé, c'est eux qui l'ont enlevé. Et plus tard, les médecins, ils repoussent, ils la mettent, mais ils se posent la question de qu'est-ce qui s'est passé. Et son médecin, traitant, il était bouleversé chaque jour, il passait la regarder, il lui demandait « Madame, vous allez bien ?» Elle lui dit « Ça va. » À chaque heure, il repassait, et même il était rentré de sa gare, il avait rentré à la maison, et finalement, la dame lui demandait « Mais qu'est-ce que vous avez ?» Elle lui posait trop de questions. Il dit « Madame, vous avez eu un utérus d'une jeune adolescente. » Est-ce qu'il y a des informations ?